Bonjour. Je m'appelle Noémie, la directrice, la réalisatrice du film. Mon film s'appelle Petit ami, petit toi. Dans mon film, le personnage principal, c'est une jeune fille qui s'appelle Christine. Et son petit ami a été avalé par un monstre qui a recraché son doigt. Et le doigt peut parler ainsi que bouger. Oui. Et voilà, à côté de moi, c'est mon actrice, Marie. Bonjour. Bonjour, Marie, est-ce qu'il y a des difficultés lors que tu joues mon film? Oui, dans ce film, je dois pleurer. Pour cela, Noémie a mis de l'eau sur mes yeux pour verser des larmes. Et je dois sangloter sans cesse. C'est vraiment un défi pour moi de jouer ce rôle. Merci. Et une autre difficulté, c'est tourner l'image du doigt. Pour cela, j'ai acheté un accessoire de doigt. Et c'est un peu effrayant, je sais, mais on n'a pas d'autre choix. Oui. J'ai demandé aussi à Gaspard pour enregistrer la voix off du doigt. Et il a participé au tournage en direct avec nous. Oui. Et voilà, c'est tout. Veuillez profiter de mon film. Au revoir. Au revoir. Au secours! Qui parle? Ma chère, c'est moi. Pour qui? Pourquoi ton voix ressemble si bien à celui de mon copain? Je suis bien ton ami. Mon Dieu, mon cher, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai aucune idée. Je me souviens juste qu'en marchant à bord du lac, il avait un monstre. Oui, c'était bien un monstre. Il a ouvert sa bouche énorme. Et puis, en une fraction de seconde, je ne sais plus ce qui s'est passé. C'est ma faute si je ne m'étais pas disputé avec toi. Quel idiote je suis. Plus calme, ma chérie. C'est ma faute aussi. J'aurais dû être plus dans les rangs, plus gentil. Mais qu'est-ce que je dois faire désormais? C'était l'horreur. En un clin d'œil. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de me rendre compte. Ses larmes coulent avec le mot fin.